Le cercle de midi. Le cercle de midi. La musique en partage. Sur la première. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Alain. Bonjour Sidi. Il est midi 20 sur la première. Bienvenue dans le cercle de midi autour du blues. Et oui, on annonce déjà la couleur, hein, blues pour ce week-end. Un événement à ne pas manquer. Ce sera le samedi 6 mai. Au Move à 20h avec nos artistes talentueux du pays ici présents. On aura Monsieur Gilles Fessard, Jimmy et Johanna Wedin, le Prudent Blues Project et Miles Ventum au Cajon. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc bonjour à tous, oui, restez connectés, restez avec nous pour 40 minutes de live. Ce sera encore un pur moment de bonheur, du blues et rien que du blues pour vos grandes oreilles. Je n'en dis pas plus, Christophe Ventum, le directeur du Café Le Move, à nos côtés, nous en dira un peu plus sur cet événement. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Et maintenant, place à la musique avec le premier titre. Alors qu'est-ce qu'on écoute, Alain? Oui, alors on a Joey Bonamassa avec Asking Sin Around For You. Coming home.
for you. Du blues sur la première, bravo. Ça démarre fort. Et on enchaîne avec le deuxième titre de John Mayer intitulé Gravity. Il est 12h25 sur la première. On vous écoute. Écoutez le Cercle de Midi et nous sommes en compagnie des artistes qui se produiront ce samedi 6 mai au Move. Jimmy et Johanna Wedin, Thierry et Patrice Prudent, Gilles Fessard, Miles et Christophe Ventoum. C'est un live plutôt familial ce midi. Familial et musical, Ala. Aussi, oui.
Donc on débute notre interview avec peut-être un petit rappel sur l'histoire du blues. Je vais m'adresser à Christophe Vantôme pour faire un petit rappel à l'histoire pour continuer. Oui, le blues, c'est le chant des esclaves noirs américains. Donc ce sont les chants de travail. La musique qui aidait à supporter le labeur. Au temps de l'esclavage au 19e siècle aux États-Unis, dans les champs de coton, dans le sud de l'Amérique. Et c'est un style qui, a perduré jusqu'à traverser tout le 20e siècle et est arrivé jusqu'à nos jours. C'est sa puissance, je pense. C'est de par cette origine-là, la souffrance que le blues porte, la profondeur du blues, qui fait que c'est un style qui vient quand on l'interprète, on est obligé d'aller chercher très très loin au fond de soi-même pour faire vibrer le blues. Et ça, même si nos situations ne sont pas les mêmes que celles des esclaves de l'époque, mais on a tous traversé des moments difficiles dans nos vies. Et à chaque fois, il y a ces choses-là qui remuent cette corde-là. Et donc c'est pour ça que je pense le blues, c'est un style qui nous touche vraiment au plus profond. Quoi. Et qui est toujours actuel, finalement. Qui est toujours actuel parce que l'homme est homme, et puis on règle un souci, et puis on en a un autre qui se présente, et puis etc. Le blues, à l'heure actuelle, au niveau international, Depuis quelques années, est en plein renouveau. Il y a beaucoup de nouveaux artistes de blues qui, là, tout à l'heure, le premier morceau, Joey Bonamassa, voilà, c'est cette génération de nouveaux bluesmen qui conquièrent la planète et qui font des œuvres magnifiques, quoi. Le blues sera célébré comme chaque année au MOVE avec différents artistes. Christophe ? Alors, c'est vrai que c'est la deuxième édition cette année. Nous, on aimerait bien annualiser, faire en sorte que ça soit un rendez-vous, et puis que même qu'il y en ait davantage. Je parle de rendez-vous blues, de programmation blues à travers le pays. Après, l'année dernière, ça avait bien marché au niveau des artistes, au niveau de ce qu'on a pu présenter, au niveau artistique, mais aussi au niveau du public, ça avait bien répondu. Donc après, tout dépend de la façon dont on est, suivi par le public. En tout cas, là, on a pu voir un aperçu de ce que ça va donner samedi sur scène. Et moi, j'ai passé mes deux dernières semaines à le dire aux gens, venez vous faire du bien, parce que ce qu'il y a sur scène, c'est vraiment de la bonne musique qui nous fait du bien, qui fait du bien à l'âme, et puis voilà. Avec d'autant qu'il n'y a pas tout le monde aujourd'hui. Oui, on a fait une résidence au MOVE avec un band complet, donc avec Louis Houpan au piano, avec Cam Villamo à la basse. Et Monsieur Boula, c'est les fans aussi. Donc là, il y a le duo d'harmonica. Tout à l'heure, on aura Gilles Fessard, mais il y a également Boula, c'est les fans, qui est également virtuose à l'harmonica. On aura d'autres invités également un petit peu tout au long de la soirée. C'est une belle scène. Voilà, il y aura des guests aussi où ça laisse surprise. On a annoncé quelques noms comme par exemple Richie The Voice qui sera. Un coucou au passage à Richie. Voilà, qui sera avec nous. Mais des belles voix, des voix un petit peu rocailleuses, là, des voix qui... Une soirée à ne pas manquer, en tout cas, Sidi. Tout à fait. Et pour vous mettre encore l'eau à la bouche, on continue avec un troisième titre, cette fois-ci interprété par Jimmy Wedin, qu'on ne présente plus.
qui va nous interpréter... Oui, qui va nous interpréter Sweet Little Angel. B.B. King. She gave me a little $20 bill. I asked my baby for an eagle, and she gave me a $20 bill. And she gave me a whiskey still. Circule hein, dans le studio, vous le verrez demain dans le live Facebook qui sera diffusé à 20h. C'est incroyable l'énergie qui circule.
Et après Jimmy Wedin, on enchaîne avec Joanna Wedin, Hounds de Big Mama Thornton. Peut-être qu'elle nous dira un peu plus sur le titre de la chanson. Hounds, Joanna Wedin. Bonjour. Écoutez, c'est une Big Mama Thornton, c'est une femme, une chanteuse que j'adore. C'est beaucoup de chiens. C'est pourquoi, entre autres, j'ai choisi entre autres cette chanson. Et c'est une occasion pour moi, avec ce thème du blues, de m'amuser sur cette chanson et au nom de cette chanteuse, d'avoir le plaisir de l'interpréter en tout cas. C'est parti. Bien merveilleux, on vous écoute. Keep snooping round my door. You are nothing but a hound dog. Keep snooping round my door. You can walk your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you were high class, but I can see through the eye. Yeah, you told me you were high class, but I can see through that. And honey, I know you ain't gonna feed you no more. You ain't nothing but a hound dog. Keep snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Keep snooping round my door. You can wag your tail, but I'm gonna feed you. Le blues dans l'âme. Mais dites-moi, père et fils ou père et fille, et la musique se vit en famille. Jimmy Wedin, je vous regardais, écoutez attentivement et regardez aussi avec admiration votre fille. Qu'est-ce que ça fait de la voir chanter comme ça, si magnifiquement? C'est énorme, c'est un énorme cadeau. Hein. Moi, j'ai fait mon chemin, et puis voilà, nos enfants aussi qui se retrouvent passionnés de musique et puis qui, à leur tour, s'expriment. C'est un énorme cadeau. Mais félicitations, il faut continuer encore. Il y a du travail la encore. Relève, la relève est assurée, en tout cas. Le flambeau est passé. Et pour vous, Monsieur Prudent? Je vais parler parce que c'est moi qui ai le micro. Il est puni. Eh bien, pour nous, c'est pareil, hein. C'est pareil, puisque c'est vrai que plus les années passent et plus on est complice au fur et à mesure des années. Donc là, pareil, on va voir des festivals, on joue de la musique ensemble. Ça fait un moment qu'on joue. C'est vrai qu'on a une école de musique aussi. Je profite pour faire notre pub. Hein. Papa, t'as vu? J'apprends. Donc vas-y.
Et je commence à jouer aussi bien que lui. Mais surtout que c'est pas le blues votre style de prédilection, si je ne m'abuse. Oh, mais tu... Oui. Oui, c'est le rock, du coup. Oui. C'est quelque chose qui vous rapproche, le blues, encore plus. Alors, papa, lui, il était plutôt jazz fusion. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais élevé un peu au Frank Gambale, Chick Corea, Lyrit Noor, Gary Moore. Bon, ben voilà, bon, ça fait ça, après, une fois qu'on est bien bercé dedans. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai joué beaucoup d'autres styles. Et c'est vrai que le blues, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment quand j'ai fait mes études en métropole. Et papa aussi, pareil. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint vachement, puisque « Ah, tu connais ça, t'as entendu ça ?» Et on s'envoie des trucs. C'est vrai que c'est assez sympa d'avoir cette relation-là, même si on le dit jamais. Donc là, j'en profite à la radio, parce que... Voilà, mais c'est vrai qu'on se le dit pas, mais on a cette relation-là qui est assez sympa, agréable, et plus le temps passe, et plus ben, on devient des amis, en fait, quoi. C'est super. Et pour vous Et pour vous, Miles et Christophe Ventoux? Ah oui, bien. Miles, il n'a pas de micro, mais au départ, ça a vraiment pas été calculé comme ça. Ça n'a vraiment pas été calculé comme ça. Je parle de Papa Jimmy avec Johanna, etc. Un petit peu la, on va dire, prudent père et fils sur lequel on a un petit peu discuté avant de faire le projet. Et puis ensuite, voilà. Mais j'ai envie de dire, au-delà de du lien, et puis du fait que bon ben on kiffe, on est content et tout de jouer avec ses propres enfants, etc. C'est surtout la qualité musicale qui fait la différence. Et moi avec Miles, Miles a commencé à jouer avec moi parce que je cherchais un batteur. Mais il joue avec moi parce que c'est un bon batteur. C'est tout. S'il ne savait pas jouer, je ne pense pas qu'on ferait de la musique ensemble. Voilà, Johanna, elle chante, puis elle nous fait vibrer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est contents. C'est pour ça que Papa Jimmy, il est ému, etc. Parce que il y a vraiment de la qualité. Donc il y a une vraie émotion, voilà, qui se dégage de chacun d'entre vous, que vous chantiez ou que vous jouiez. En tout cas, c'est sûr. Hein. Je crois qu'il y a une belle émotion partagée dans ce studio. Et peut-être à Papa Jimmy ou le Prudent Blues Project, comme ça a été annoncé. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Comme ça a été vendu. Pardon, Christophe? Comme ça a été vendu. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous jouez du blues, par contre, pour Patrice, par exemple, quand il fait ses chorus? Papa Jimmy, on sent sur toi, hein, c'est... Johanna, un mot là-dessus. Ce que vous ressentez quand vous chantez, surtout Johanna aussi, avec ce morceau de Big Mama Thornton. Un mot là-dessus, chacun. Eh ben, ça nous habite. C'est, pour ma part en tout cas, je pense que c'est tout le monde comme ça, c'est les émotions qui viennent diriger après où ça va, tu prends les paroles, c'est ton histoire ou pas, et tu les vis, et du coup le blues entre autres, ben, ça, ce côté intense, et t'es habité. Et ça sort. Patrice? Pareil, comme les, pour pareil que Johanna. Pareil. Non, en courissant... Oui. Bah, oui, après, en fait, tu apprends des choses et puis tu essayes de donner, d'être un maximum musical l'instant présent et de vivre l'instant présent. Et je crois que c'est un peu tout ce qu'on essaye de faire dans la vie. C'est vrai que la musique, ça t'ancre dans la réalité et dans le présent. Et quand on est entouré comme ça, bah, ça donne une qualité vraiment à l'instant présent. Et c'est de ça qu'on essaye de profiter, en fait, tous ensemble. Tu as un mot pour Thierry? Il fait pleurer la cicorne. Alors, moi, je joue du blues parce que c'est facile, en fait. Non, je plaisante. Quand j'ai commencé à jouer du blues, je me suis aperçu que c'était une des musiques les plus difficiles à jouer. Pas parce que techniquement, c'est compliqué, mais parce que justement, humainement, il faut faire parler sa guitare. Et c'est pas facile du tout. Donc, j'essaye. J'essaye de parler plus ou moins bien. C'est un moyen d'expression. Ben, je dirais déjà le band qu'il y a derrière... nous avons la chance de partager donc, pour samedi un plateau dans lequel franchement vous allez découvrir, si vous ne les connaissez pas, ou redécouvrir
vraiment de très très talentueux musiciens. Et pour un pays, un petit pays comme le nôtre, c'est un grand honneur de pouvoir être accompagné par des musiciens qui ont... C'est pas venu tout seul, hein, vous savez, les talents, ce que nous savons faire, c'est pas des choses qui nous sautent dessus, hein. Il faut travailler, il faut travailler, il faut beaucoup de patience, beaucoup de curiosité. Et le blues, il nous offre ça. Le blues, il nous offre ça jusqu'à, comme disait tout à l'heure Christophe, le blues, pour moi, c'est... comment dire, c'est enveloppé de tellement d'injustices dans l'histoire des Afro-Américains, de tellement, mais surtout d'espoir. Quand on écoute les chansons, on regarde un peu le texte, les auteurs ont à travers le blues exprimé, crié de l'espoir. Mais c'est ce qu'on continue à faire à travers la musique, hein. C'est de contribuer à crier encore cet espoir, parce qu'on a besoin de ça. Hein, nos sociétés, même si elles évoluent, même s'ils ont des périodes comme ci, des périodes comme ça, on a besoin de l'espoir tous les jours pour continuer à avancer, à continuer à être debout, continuer aussi à le partager, hein, pour nous encourager à être mieux, pour continuer à essayer de trouver ce bien-être que l'on recherche. Voilà. On aimerait bien entendre aussi Miles au micro de Patrice Prudent. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, le blues ? Parce que quand vous jouez, on sent que vous ressentez la musique et vous allez passer derrière le micro aussi, comme tout le monde. Ah non, tu ne l'enlèves pas, tu le mets comme ça. Je l'emmène là, du coup. Je suis assis, mais... Ouais, ben moi j'interviens au niveau de la batterie là ce week-end, la rythmique avec Pascal William Opassa à la basse. Ben nous deux, j'ai du mal à parler en fait. Il y a beaucoup d'émotions aussi quand on accompagne Pat Jimmy, Joanna, avec beaucoup d'humilité aussi derrière. On écoute un peu ce qui se passe, puis on installe le tapis en fait pour. Pas Jimmy, Patrice, tous les chanteurs qui sont là, Gilles. En tout cas, on sent que t'es ému. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, genre le blues. Vous vivez vraiment et vous ressentez vraiment la musique que vous interprétez. C'est ça, c'est ça. Merci Miles, merci à tous. On va continuer avec le dernier titre peut-être, Sidi. Et oui, déjà, ça passe tellement vite, hein, vous aurez bien gardé tout l'après-midi. Donc avec Gilles Fessard qui va nous interpréter « Key to the Highway » d'Eric Clapton. To the highway. Donc Gilles Fessard à l'harmonica. Là, je dirais que j'ai grandi depuis. I'm going back to the border where I'm better known. You know you haven't done nothing, baby. Drive a good amount away from us home. Oh, when the moon peaks over the mountain, I'll be on my way. I'm gonna roam this old highway until the break of the day, yeah. Mm-hmm.
I got the key to the highway. Bill got a bound to go. I'm gonna live here running, walking as most too slow. I'm going back to the border. Haven't done nothing, baby, but drive a good man away from his home. Oh, give me one more kiss, mama, just before I go. 'Cause when I leave this time, won't be back no more. Bravo! Waouh! Wow. Il faudra y être hein, le samedi 6 mai. Là, est-ce que tu peux nous rappeler la soirée? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on va laisser la parole à Christophe Ventoum pour ce samedi. Donc, on peut avoir toutes les informations pour ce week-end. Donc, à ne pas rater surtout. Et si, pour les, pour les personnes qui veulent la billetterie, voilà, toutes alors, ces infos. Il y a une billetterie en ligne sur ticket.nc. Et voilà, donc allez-y. Sinon, il y aura une billetterie qui ouvrira sur place à partir de 19h. Donc le MOVE est situé dans le parc de Rivière-Salée. Le concert débutera à 20h. Je pense qu'on en a pour à peu près 2h30, 3h de musique. Selon la durée des chorus à Patrice Prudent, c'est lui qui détermine. On aura compris. Voilà. donc, voilà, 3h30 peut-être. Et puis, sinon, on a aussi une billetterie sur le MOVE les après-midi, donc pour les gens qui n'ont peut-être pas Internet ou qui n'ont pas trop confiance dans ce mode de paiement. On invite, nous c'est le concert de reprise du MOVE, donc on rattaque notre saison. On aura, je pense, l'occasion de revenir assez souvent chez vous pour présenter un petit peu tous nos spectacles jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, on est très, très heureux, très fiers de démarrer avec le blues, de démarrer avec des musiciens, on l'a vu là tout de suite, on l'a vu très, très talentueux, parfois virtuoses, mais surtout généreux. C'est une des qualités principales du bon musicien, c'est qu'il a envie de partager ses émotions, sa passion avec le public. Là, je voulais saluer la performance de Monsieur Fessard, donc voilà, qui est à l'harmonica, mais qui est aussi, enfin, je veux dire, siffleur. On entend toutes les mélodies, c'est-à-dire qu'il souffle dans une petite case par case parfois de l'harmonica, et c'est un gros travail de la bouche, de la langue, de etc. On le sent pas parce que c'est du feeling, mais c'est beaucoup de talent. Donc bravo à eux, et puis venez les retrouver samedi soir. Et ce sera le mot de la fin. Bravo à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de nous avoir fait vibrer ce midi. La semaine prochaine, nous chanterons du R&B avec un artiste international et un artiste local qui fera sa première partie. Ils se produiront à Koné et à Nouville. Nous recevrons Method et H Black. On rappelle que cette émission sera rediffusée ce soir à 22h. Et vous pourrez regarder le live demain soir à 20h sur la page. Donc vendredi soir à 20h sur la page de Nouvelle-Calédonie, la première. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Chidi. Merci à tous. Merci bon live pour ce samedi. Et bon live.